j'ai la même secrétaire depuis 15 ans. Il n'y a aucune raison pour que je la mette à la porte. Bien sûr. C'est vrai, tu me préfères à Albin. Il est bien pourtant. Oui, mais on ne peut pas compter sur lui. Il n'aime pas les jeunes gens. Il pense qu'à eux. Puisqu'on ne parle rien qu'il dit. Et moi, tu me comprends? C'est merveilleux de t'écouter. Je ne sais rien et tu sais tout. Je sais un certain nombre de choses. Oui, Toi, par exemple? Je sais fabriquer des colorants. Enfin, je sais surtout les vendre. Je me débrouille correctement en anglais, c'est bien. Je lis les livres dont on parle. Je joue bien au tennis. Ce qui fait que finalement, ben, je ne sais pas grand-chose. Voilà. Viens voir. Qui est-ce? Mon grand-père. Le fondateur de la société. Il est beau. Oui. Mmh. C'était un bel emmerdeur. Doublé un salaud. Et en plus, on me le donnait en exemple. Tout de suite? Tout de suite. Sous ses yeux? Justement, sous ses yeux. Ça va pas être très commode. Attends, on va arranger ça. Aide-moi. Le cendrier. Je prends le tapis. On va faire un polochon. Hop. Là, ça va, c'est 1m80, ça doit laisser.